Bonjour. Dans le cadre des 100 ans du Parti communiste français, la Fédération de Loire-Atlantique a organisé, entre autres événements, un cycle de rencontres afin de mettre en relief quelques traits saillants des 100 premières années de son existence. Cette mise en lumière de l'histoire pour mieux comprendre le présent, entendre ses résonances dans l'actualité et préparer l'avenir. Parmi ces traits saillants, l'anticolonialisme, vaste sujet, et donc plus particulièrement autour de la guerre d'Algérie, pour la charge symbolique qu'elle a portée et qu'elle porte toujours. Nous sommes donc très heureux de recevoir à ce sujet l'historien Alain Ruscio, qui a publié un certain nombre Bonjour. d'ouvrages concernant la période coloniale et ses conséquences, des livres sur la guerre d'Indochine et d'Algérie. Et ceci vu sous un certain nombre d'angles divers, en l'occurrence que la France était belle au temps des colonies, un recueil de chansons, un dictionnaire des insultes racistes qui prennent racine donc dans notre histoire, et enfin un recueil de caricatures du temps des colonies, quand les civilisateurs croquaient les indigènes. Il y a 2 ans, tu publiais un ouvrage aux éditions Découverte, Les communistes et l'Algérie, une véritable somme qui est devenue incontournable très vite et qui va m'amener donc à poser la question d'aujourd'hui, à laquelle d'ailleurs chacun pourra contribuer grâce au chat de notre événement. Donc la question, qu'en est-il des communistes, tant algériens que français, pendant la guerre d'Algérie? Oui, merci de cette question et bonjour aux amis de Nantes et de Loire-Atlantique qui ont eu la gentillesse de m'inviter pour évoquer cette question. Effectivement, et merci également d'avoir bien, dans cette première partie de la question, insisté sur le fait que c'était les communistes français et algériens. J'y reviendrai très, très longuement. Ce travail ne porte pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser de prime abord, ne porte pas sur seulement la guerre d'Algérie, qui est évidemment le cœur du livre par ailleurs, et le cœur de la problématique, et l'aspect le plus brûlant, et le plus sujet à polémique, mais j'ai pris le parti délibérément de commencer au Congrès de Tours. Donc c'est d'une certaine façon, bien que mon livre soit paru en 2019, une contribution au centenaire de l'histoire du PCF, donc du Congrès de Tours à la fin de la guerre d'Algérie, donc 42 ans d'histoire, mais 42 ans d'histoire vraiment très, très, très dense. Pourquoi commencer en 1920? Ben, tout simplement parce que tout phénomène historique a des racines. On aurait même pu partir. Je consacre 5 ou 6 pages, même tout à fait au début, à l'avant 1920, même, l'héritage du socialisme dans le domaine colonial, avec une adhésion quand même assez profonde aux valeurs coloniales de la part du Parti socialiste SFIO, avec évidemment la magnifique exception de Jean Jaurès et puis dans une moindre mesure de Jules Guesde. Enfin, d'une façon générale, le Congrès de Tours n'a pas été le tournant, la lumière qui a succédé à la nuit, qui avait été d'ailleurs décrit parfois par une certaine historiographie communiste qui était un petit peu, je dirais, hagiographique d'un certain point de vue. Donc, le Congrès de Tours a marqué ce début. Ce livre est né d'une réaction. Vous avez dit que j'avais travaillé beaucoup sur la guerre d'Indochine, c'est vrai. Et puis, à un certain moment de ma vie de chercheur, j'ai commencé à étudier les autres colonies françaises, avec évidemment, bien sûr, souvent des similitudes, des passerelles, des points, beaucoup, beaucoup de points communs. Mais bon, avec la spécificité algérienne, et ayant participé souvent à des débats après des projections de films, par exemple, je me suis aperçu que systématiquement après les débats, il y avait des polémiques qui étaient souvent très très vives, parfois même
presque physique, c'est même arrivé à ce point-là parfois, entre des gens qui immédiatement accusaient les communistes et seulement les communistes d'avoir failli à leur mission, d'avoir trahi l'internationalisme, etc. Donc en jetant au visage de leurs adversaires les pouvoirs spéciaux de 1956, j'y reviendrai, ou le refus des communistes de citer le manifeste des 121 sur le droit à l'insoumission, enfin des choses comme ça. Et à contrario, les gens qui tenaient à défendre mordicus l'histoire des communistes, qui étaient eux-mêmes des militants ou d'anciens militants, disaient « oui, mais vous n'avez pas le droit de nous accuser parce que nous avons Maurice Audin dans nos martyrs, nous avons Daniel Ferry, et nous avons heureusement vivant à l'époque Henri Alleg. » Enfin voilà, donc c'était un manichéisme contre un autre en quelque sorte. Et donc, évidemment, l'historien n'a pas à être un arbitre, l'historien n'a pas à revendiquer la neutralité, je ne crois pas à la neutralité en histoire de toute façon, mais un historien essaye de travailler sur autre chose que sur des schémas tout faits. Donc je me suis dit, bah, il faut se mettre au travail, puisque personne ne l'a jamais fait, je vais m'y mettre. Première remarque d'ailleurs, c'est que les archives du PCF sont ouvertes depuis maintenant une quinzaine d'années. Elles sont accessibles pour tous, pas seulement les chercheurs, mais même les citoyens. Lorsque je suis allé aux archives, elles sont conditionnées à Bobigny, aux archives départementales du 93, lorsque je me suis présenté et que j'ai demandé à consulter ces archives, j'ai eu la surprise d'entendre les archivistes me dire « vous êtes le premier ». Je parle le premier à regarder la totalité des archives. Hein. Bien sûr, d'autres avaient regardé par-ci, par-là, les archives d'Henri Alleg ou les archives de Paul Laurent, par exemple, des gens qui avaient déposé, ou Gaston Plissonnier, des gens qui avaient déposé leurs archives. Mais globalement, sur la totalité des archives communistes sur l'Algérie, j'ai été le premier. J'en fais pas un honneur, parce que je trouve que c'est plutôt plutôt une pierre dans le jardin de mes collègues qui parfois procèdent un petit peu par affirmation abrupte, sans avoir mis le nez dans ces archives. Je pense par exemple à la question de l'indépendance sur laquelle je reviendrai. Donc voilà, c'était ma première volonté de sortir de ce dilemme, en quelque sorte, de ce face-à-face que j'ai trouvé un petit peu stérile. J'ajoute que les autres familles politiques n'étaient jamais égratignées. C'est quand même assez extraordinaire de se dire que aujourd'hui encore, une des gloires de la gauche française s'appelle Pierre Mendès-France, et Pierre Mendès-France était président du Conseil au moment du début de la guerre d'Algérie. Pierre Mendès-France a dit d'une façon absolument définitive, l'Algérie c'est la France, et François Mitterrand, son ministre de l'Intérieur, qui n'était pas socialiste à l'époque, mais qui était un homme de gauche à l'époque, François Mitterrand a dit la seule négociation c'est la guerre. Donc Charles de Gaulle est arrivé dans les fourgons de l'armée française en mai 58, et ensuite il a mené une guerre extrêmement violente contre le peuple algérien, l'opération Châle dans l'année 59-60. Bon, tous ces gens-là étaient exonérés, et encore une fois on ne braquait les projecteurs que sur les communistes. Donc voilà, c'est la première chose que j'ai voulu préciser. Avant 1954, l'histoire de les relations entre le communisme et l'Algérie sont des relations que je dirais quel adjectif employer. Il y a eu un certain nombre d'évolutions, un certain nombre de migrations d'une théorie à une autre. La première période qu'on peut qualifier, disons, pour aller très vite, les cinq premières années de 1920-1925 étaient des années d'apprentissage. Incontestablement, le Parti communiste français n'était pas sorti du cocon socialiste. Il y avait encore un certain nombre d'attitudes, de théories, d'analyses paternalistes, voire même parfois qui frisaient le colonialisme. Et il y a eu un certain nombre de militants qui se sont battus pour imposer cette greffe, en quelque sorte, internationaliste et anticolonialiste sur le corps du PCF. Je pense à des militants qui étaient eux-mêmes décolonisés. N'oubliez pas que parmi les fondateurs du PCF, il y avait Ho Chi Minh, qui s'appelait à l'époque Benin Quoc, et qui a été un militant très très actif entre le congrès de Tours et son départ de France. Il a quitté la France en 1923. De 20 à 23, il n'a pas cessé une seconde, je dirais même, de harceler la direction du PCF pour lui imposer, par exemple, la tenue d'une tribune anticolonialiste dans l'Humanité, ce qui n'était pas acquis en 1920. Voilà ce genre de jeu. Et puis d'autres militants
qui eux étaient de métropole. Je pense beaucoup, par exemple, à Paul Vaillant-Couturier, qui a été vraiment l'homme de l'anticolonialisme des premières années du PCF. À partir de 1925, Jacques Doriot, qui évidemment a eu le destin que vous connaissez, mais en histoire, on oublie aucune personnalité. À partir de 1925, Maurice Thorez, qui était trop jeune pour être au Congrès de Tours, mais qui a été dès 1925, comme dans la lutte contre la guerre du Rif, très très actif au sein du PC, qui était un de ceux qui a porté l'activité anticolonialiste, etc. Donc 20-25. 25-35, c'est ce que j'ai appelé dans le livre, je crois, en quelque sorte, la décennie héroïque. De 25 à 35, c'est véritablement une période où l'anticolonialisme est flamboyant. Les communistes sont les premiers organisateurs, par exemple, de la protestation contre l'exposition coloniale de 1931. Les communistes organisent des manifestations, sont les premiers à vouloir organiser les immigrés au sein du prolétariat français. Je pense par exemple à la fondation de l'Étoile nord-africaine, fondée en 1926 à l'initiative des communistes, avec un militant oublié aujourd'hui qui s'appelait Abdelkader Hadjali, qui était un très très grand militant qu'il faut absolument citer à chaque fois. Et Abdelkader Hadjali avait comme adjoint Messali Hadj, qui a passé deux ou trois années au sein du PCF avant de se séparer du PCF. Donc voilà, c'est une période vraiment d'activité intense. Je vais très vite toujours. Virage au moment du Front populaire. Incontestablement, les communistes ont considéré que le prix de l'unité avec le Parti socialiste et le Parti radical au sein de ce que s'appelle Rassemblement populaire, donc qui a soutenu ou participé au gouvernement de Front populaire, les communistes n'étaient pas, mais au nom du soutien à ce gouvernement de Front populaire, l'aspect anticolonialiste a été, pendant toute une période, effacé, purement et simplement effacé, renoncement au droit à l'indépendance des peuples colonisés, au nom du danger principal, qui était un danger réel, qui était la montée du nazisme, tout simplement. Montée du fascisme en France, prise du pouvoir par Hitler en 1933, Mussolini en 1922 plus tôt, la guerre d'Espagne, tous ces aspects-là amenaient les communistes à penser que le danger fasciste, et d'un certain point de vue, ils avaient raison, était primordial. Mais là où on peut porter la critique, c'est de constater que ça les a amenés presque mécaniquement à abandonner les aspects anticolonialistes. Voilà, je vais très vite pour arriver ensuite directement à la période. Oui, les divergences. Je veux parler des divergences. Les relations, il y a un dicton que vous connaissez sans doute qui dit que deux personnes peuvent dormir dans le même lit mais ne pas forcément avoir les mêmes rêves. On pourrait appliquer ce dicton, je crois, aux relations entre, là je reviens directement à l'Algérie, on pourrait appliquer ce dicton, je crois, aux relations entre les communistes et les nationalistes algériens. Parce qu'effectivement, il y a eu incontestablement un certain parallélisme, parfois même une alliance, même entre nationalistes et communistes, mais avec des objectifs qui étaient différents. Les communistes considéraient que la lutte pour l'indépendance nationale qui a été dans le discours communiste jusqu'aux années 35 était une étape. Et puisque pour eux, évidemment, la libération totale de l'humanité en général et de l'Algérie en particulier était la révolution sociale. Donc la révolution de l'indépendance, la conquête de l'indépendance par l'Algérie n'était qu'une étape. Pour les nationalistes, c'était une fin. Et donc après, il n'était hors de question pour eux, et on le retrouve dans tous leurs textes, de dire par exemple quel pouvait être l'avenir de l'Algérie. Les nationalistes avaient une théorie qui a été absolument mise en avant par Messali Hadj, ensuite reprise par le FLN, qui était celle que le peuple algérien était un peuple classe, peuple trait d'union classe. C'est-à-dire que pour eux, ils considéraient qu'il ne pouvait pas y avoir de divergence, de conflit d'intérêts, de lutte de classe, tout simplement, à l'intérieur du peuple algérien, et que le peuple algérien devait conquérir l'indépendance. Et puis, point de suspension, on verra après. Et d'ailleurs, les événements de 62 ont confirmé un petit peu cet état d'esprit. Bon, je vais très vite sur cette période. Alors, l'un des angles d'attaque de mon livre, de mon travail,
a été de considérer que on peut étudier la mouvance communiste. Je dis mouvance parce que, bien sûr, n'oubliez pas que le titre, c'est les communistes, c'est pas le PCF. Hein, donc j'ai délibérément inclus, bien sûr, les militants communistes au sein de la CGT. N'oubliez pas que en réalité, les communistes ont dirigé la CGT pendant toute une période de l'histoire du syndicat jusqu'à la guerre froide. Donc les communistes au sein de la CGT, qui d'un certain moment, Benoît Frachon, par exemple, c'est tout à fait clair, il était et membre du bureau politique du parti, et c'était public, et secrétaire général de la CGT, il y avait une majorité de communistes au sein du bureau confédéral de la CGT. La jeunesse communiste, ou l'UGRF selon les périodes, le Secours Rouge à son époque, l'ancêtre du Secours Populaire, et même le Secours Populaire pendant la guerre froide, enfin, tous ces militants communistes formaient une sorte de bloc, si vous voulez, autour de la stratégie qui était bel et bien décidée par le bureau politique du Parti communiste français. Donc voilà, le premier bloc. La façon dont j'ai voulu travailler, c'est de partir en permanence de ce que j'ai appelé dans le livre le terreau de l'opinion, finalement. La façon dont les communistes ont été amenés à travailler l'opinion. Travailler l'opinion, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement aller à l'encontre de l'idéologie dominante. L'idéologie dominante, elle était celle, d'une part, d'un bourrage de crâne qui était le fruit du travail de plusieurs décennies, pratiquement d'un siècle même, du parti colonial qui avait amené les Français à penser qu'ils avaient apporté la civilisation dans les colonies, amené les Français à penser qu'il y avait des races différentes et une race supérieure qui était la race blanche. Enfin, toutes ces choses-là qui nous paraissent absolument ahurissantes aujourd'hui étaient des choses qui étaient acquises pour l'immense majorité de la population. Et c'est donc contre cela qu'il a fallu se battre. J'ai un certain nombre de citations dans le livre. La deuxième chose contre laquelle il a fallu se battre, c'est le racisme. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de mon livre qui s'appelle des racines coloniales de la petit vocabulaire des racines coloniales de la du racisme à la française. Le racisme, bon, évidemment, on est hélas aujourd'hui dans une France qui connaît encore ce phénomène, mais je crois que il faut pas qu'on ait trop le nez collé sur l'actualité. Je crois qu'il faut qu'on comprenne combien ce racisme était puissant et quasi évidemment pas unanime, mais extrêmement imprégné dans toute la population, soit sous la forme de racisme violent, de dénonciation et de brutalité contre les indigènes en Algérie ou contre les immigrés en métropole, soit le racisme paternaliste, qui est une forme de racisme également. Donc toutes ces choses-là étaient très puissantes. Je cite le nombre, de par exemple, d'utilisation des mots racistes. Bon, je l'ai dit ici au micro, en sachant très bien qu'il faut des guillemets, que ça va écorcher des oreilles, mais les mots bico, le mot boumioul, étaient des mots qui étaient absolument dans le quotidien des Français. Donc c'est à partir de cela qu'il a fallu que les militants communistes débarrent en quelque sorte une explication. Et lorsque, au début de la guerre d'Algérie, Pierre Mendès-France dit « l'Algérie, c'est la France », il ne dit pas seulement une formule d'un homme politique qui essaie de convaincre les Français, il dit ce que les Français pensent. En 1954, les Français pensent que l'Algérie, c'est trois départements français, voire même certains considèrent que c'est des départements comparables à la Loire inférieure à l'époque, d'ailleurs elle s'appelle, ou aux Hautes-Pyrénées, etc., etc. Donc une France colonialiste dans ses profondeurs. Et en même temps, une France sous-informée. Une France sous-informée. Je cite des choses des éléments dans mon livre qui montrent que les Français ignoraient. Alors, vous me direz que c'est tout à fait complémentaire. On peut très bien penser que la France a un bilan magnifique dans les colonies et en même temps ignorer les réalités de ces colonies. Bon, il y a des exemples assez nombreux. Je vous cite ce que disait un syndicaliste étudiant à l'époque, qui s'appelle Michel de la Fournière. Durant la guerre d'Algérie, pour la plupart, la réalité algérienne se situait quelque part entre Albert Camus
Alain Mimoun et Pépé le Moko. Donc l'expression peut faire sourire, mais je crois qu'elle résume assez bien de ce qu'était la méconnaissance. Je souligne dans mon livre, par exemple, que le poids de l'idéologie dominante dont j'ai déjà parlé, qu'il ne faut pas sous-estimer. Si on pose aujourd'hui, en particulier à des militants, bien sûr, à des gens qui ont une certaine culture historique, si on leur demande quel est le livre le plus important de la guerre d'Algérie, immédiatement on répondra à la question d'Henri Alleghe. Et on aura raison de rappeler que c'est un livre magnifique. Mais le livre d'Henri Alleghe a été diffusé à quelques dizaines de milliers d'exemplaires, de l'ordre de 40 000, je vous dis le chiffre. Et je cite dans le livre un livre qui lui est tout à fait contemporain, qui est le livre de Jean Lartégui, qui s'appelle « Les Centurions », qui est un livre quasiment fasciste, hein, qui était vraiment une exaltation de la force, de la virilité de nos soldats, de nos parachutistes, etc. etc. Les Centurions est un livre qui a été diffusé à 1 million d'exemplaires. C'est-à-dire, quelques fois peut-être, mais 25 fois plus que la question de... dans le domaine du cinéma, tout le monde dit, mais quel est le premier film qui a parlé de la guerre d'Algérie? Immédiatement, on pense à René Vautier, à voir maintenant dans les Aurès. Ce n'est pas vrai. Le premier film qui parle de la guerre d'Algérie, c'était également Les Centurions, écrit par, mis en scène par un Hobson, je crois, un Américain qui s'appelait Hobson. Les Centurions, c'est un film de 1961, fait en pleine guerre d'Algérie, et qui a comme vedette Anthony Quinn, Alain Delon, Claudia Cardinale. Vous voyez, donc il y avait le combat n'était pas égal entre le mouvement de protestation, et je vais quand même venir immédiatement maintenant aux communistes, mais pour vraiment bien montrer que ce combat n'était pas égal. Dernière affirmation, la censure ou l'autocensure. L'humanité, donc, vous avez présenté ce livre que j'ai fait avec Rosa Moussaoui, c'est un livre qui a repris, heureusement l'humanité avait gardé toutes ses archives, donc on a publié tous les articles censurés, avec donc les blancs qui apparaissent, et puis les véritables articles tels qu'ils auraient dû paraître. Par exemple, un article de Madeleine Riffaud de 1961, je crois, qui s'appelle « Les caves qui crient », donc les caves, c'était quoi? C'était les caves de la Goutte d'Or où on torturait les Algériens, les caves qui crient. Eh bien, la page de l'humanité, c'est une page blanche. Il y a le titre et la signature de Madame Riffaud, et il n'y a pas une ligne de Madame Riffaud. Donc les Français ne pouvaient pas être informés. Donc j'en arrive rapidement donc au PCF. Le PCF de 1954 à 1962 aujourd'hui, on a peut-être tendance à l'oublier, parce qu'on parfois on focalise sur un seul phénomène, et donc en l'occurrence pour en ce qui me concerne sur la guerre d'Algérie. Mais le PCF de 54 à 62 a mené de nombreux autres combats, certains d'ailleurs contestables, sur lesquels on reviendra. Mais il y avait plusieurs fronts. Il y avait plusieurs fronts. L'Algérie ne pouvait pas être un parti politique, ne peut pas avoir un seul élément dans sa protestation, dans sa propagande. N'oubliez pas que, par exemple, l'année 56, c'est l'année du 20e congrès, du rapport attribué au camarade Khrouchtchev, donc avec la véritable censure qu'a exercé la direction du PCF auprès de ses militants et auprès des gens qui l'influençaient. C'est l'époque de l'intervention en Hongrie. C'est l'époque de Suez, de l'intervention de Suez qui est totalement oubliée aujourd'hui. Et c'est l'époque également où le PCF menait d'autres combats qui étaient des combats qui aujourd'hui peuvent nous paraître ringards. Je pense par exemple au combat sur la paupérisation. Je pense au combat sur les questions de l'avortement, où le moins qu'on puisse dire est que les communistes n'étaient pas à l'avant-garde de la libération de la femme dans ce domaine. Bon, voilà des choses, mais pour bien montrer que des dirigeants de l'époque, ou des militants d'ailleurs de l'époque, menaient plusieurs combats. Bien sûr, la façon élémentaire qui pourrait se présenter à nous, ce serait de dire après tout, bien sûr ce parti était isolé, bien sûr ce parti luttait seul, mais il avait quand même 20 à 25% des électeurs derrière lui, ce qui est vrai. Il dirigeait la CGT, ce qui est vrai. Il avait une organisation de jeunesse qui était puissante, ce qui est vrai. Mais bon, ne pas sous-estimer tous ceux qui étaient en face.
Quand on dit que le PCF est monté jusqu'à 25%, ben ça veut dire qu'il y avait 75% qui étaient qui n'approuvaient pas sa politique et qui la combattaient. N'oubliez pas que au moment de la guerre froide, les locaux du PCF ont été plusieurs fois attaqués. Qu'au moment de l'OAS, il y a des militants communistes qui ont été des colleurs d'affiches ou des distributeurs de tracts qui ont été tués. Donc, j'en arrive donc donc l'idée, l'autre idée. Cette histoire est une histoire des deux côtés de la Méditerranée, délibérément. Il fut un temps, bien sûr, où la politique communiste sur la question algérienne se décidait à Paris. Se décidait à Paris, c'était le bureau politique qui donnait la ligne et qui ensuite envoyait des émissaires, en bien ou en mal d'ailleurs, parce que, par exemple, sur la question de l'indépendance, dès les années 30, des militants communistes parmi lesquels un militant oublié parce qu'il a été ensuite exclu, et donc dans la bonne tradition communiste, il fut un temps où les exclus disparaissaient également de l'histoire, André Ferrat. André Ferrat a été envoyé par la direction du PCF pour imposer en quelque sorte à ses camarades, puisqu'il y avait des résistances, surtout chez les Européens, pour imposer la ligne de revendication de l'indépendance nationale. Maurice Thorez a également été dans cet état d'esprit et a traversé la Méditerranée à quelques reprises. Pendant toute cette période, on peut dire que Paris décidait. Et puis progressivement, il y a eu une volonté, on peut dire que c'était une véritable politique volontariste, d'une part d'infléchir la ligne en faveur de la revendication de l'indépendance de l'Algérie. Donc encore une fois, j'ai dit 30 tout à l'heure, en fait les premières apparitions du mot indépendance, c'est 25-26. Hein. Dans la littérature communiste en Algérie. Donc c'était il faut vraiment voir ce que ça pouvait représenter comme courage politique de parler d'indépendance en 25-26. Et puis l'autre aspect, c'était un mot qui est absolument horrible, qui était l'arabisation des communistes algériens. Je parle pas encore de PCA, j'expliquerai après pourquoi. L'arabisation des rangs du PCA, ben, c'était tout simplement une politique, encore une fois, volontariste, qui était de dire que si les communistes voulaient avoir une influence dans les masses, eh ben, ils ne pouvaient pas se contenter d'être un parti revendicatif et qui défendait les droits légitimes des ouvriers. J'en arrive à la guerre d'Algérie elle-même pour, une fois de plus, traverser la Méditerranée, mais je vais faire un va-et-vient entre les deux. La première chose que j'ai écrite dans ce livre, c'est que la guerre d'Algérie s'est vue opposer une résistance communiste. Pourquoi je dis ça d'emblée? Parce que il me semble qu'il y a trop souvent chez mes collègues historiens, dans l'historiographie dominante, l'idée que la résistance à la guerre d'Algérie a été faite par des individus héroïques, et qu'il faut saluer d'ailleurs, les porteurs de valises, les insoumis, les soldats du refus, et que ces gens-là ont été vraiment, en quelque sorte, des héros isolés, et qu'au milieu d'une population amorphe. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les résistants que je viens de citer ont été des résistants plus que courageux, et Pierre Vidal-Naquet, enfin des gens comme ça, ont été tous les signataires du manifeste des 121 pour le droit à l'insoumission, mais ils n'ont pas été les seuls. Et on peut dire qu'il y a eu une sorte de cheminement parallèle entre ces activités qui étaient des activités de soit individuelles, soit souvent de petits réseaux organisés d'aide au FLN. Et le FLN avait besoin de ces aides, c'était absolument indispensable. Et ils ont participé évidemment à la résistance à la guerre d'Algérie. Mais il m'a semblé qu'il fallait réhabiliter la résistance des communistes, parce que c'était une résistance qui partait véritablement du terrain, qui partait véritablement du terrain et qui était une résistance au jour le jour avec le travail de conviction auprès des collègues de travail, auprès des voisins, au sein des familles. Ne pas oublier que dans les familles, bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'y insiste, et si on a le temps dans la discussion, je vous donnerai même quelques exemples pris dans ma propre famille quand j'étais gamin. Mais dans les familles,
Il fallait vraiment que les gens qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie se bagarrent pour imposer dans les familles ou dans les ateliers l'idée que la classe ouvrière était unanimement anticolonialiste est une idée fausse. Il a fallu véritablement liser par exemple le très beau roman de Claire Etcherelli, Élise ou la vraie vie. Elle montre bien combien ça a été difficile, elle montre bien combien même le racisme était chez un certain nombre d'ouvriers, parfois chez un certain nombre de militants. Donc voilà, c'est ce travail au corps à corps en quelque sorte qui a été fait. Pierre Vidal-Naquet, qui n'était absolument pas communiste, a écrit par la suite que l'Humanité, malgré la censure dont j'ai parlé, a été le seul journal qui a continuellement porter la contradiction à la guerre d'Algérie, qui a été un aliment pour les militants qui parfois même de leur côté étaient plutôt anticommunistes, mais qui ne trouvaient nulle part ailleurs. Essayez de nous citer un grand quotidien qui a combattu la guerre d'Algérie. Bon, il y avait le Libération, mais le premier Libération, pas celui de Serge Julie, celui de Bastier de la Ligerie, qui est mort, je crois, le journal est mort en 57, 58, 59, je crois, qui était un journal paracommuniste, disons, et l'Humanité. Alors, s'il y avait des hebdos, bon, l'ancêtre de l'Obs d'aujourd'hui, qui s'est appelé l'Observateur et ensuite France Observateur, a été incontestablement un hebdomadaire anticolonialiste. Mais derrière, c'était quand même le désert. Et les Français, je l'ai dit dans le livre aussi, les Français lisaient plus facilement Paris Match, par exemple. Paris Match était tiré chaque semaine, je crois, à 2 millions d'exemplaires, quelque chose comme ça. L'Humanité, à l'époque, tirait à 300 000, 200 000. Donc, voilà, ce travail-là était un travail nécessaire. Et le contenu, maintenant. Eh bien, contrairement à ce qui est souvent dit, par exemple, le mot indépendance. Il y a une polémique sur l'utilisation du mot indépendance par les communistes. Avant de travailler sur ce sujet, c'est pas agréable, je suis désolé. Avant de travailler sur ce sujet, j'avais souvent lu que les communistes n'avaient jamais parlé de l'indépendance de l'Algérie. Or, je suis allé aux sources et j'ai trouvé que dans l'Humanité, il ne s'agit pas de documents clandestins, dans l'Humanité, malgré la censure dont j'ai parlé, le mot indépendance apparaît en novembre 54. Novembre 54, c'est-à-dire le premier mois de la guerre. Il disparaît ensuite pendant plusieurs mois. Alors, il faudrait essayer de savoir quelles ont été les discussions internes. Il est possible qu'effectivement il y ait eu des discussions internes. Et il réapparaît à l'été 1955. À partir de l'été 1955 jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, le mot indépendance de l'Algérie ne disparaît plus du discours communiste. Il apparaît même sur certaines affiches. En même temps, comme dirait l'autre, le thème qui était, le mot d'ordre qui était mis en avant systématiquement, c'était paix en Algérie. Ce n'était pas indépendance de l'Algérie. Pour des raisons, il y a peut-être dans la salle un certain nombre de gens qui sont militants et qui savent ce que c'est que le travail au jour le jour. Pour une raison très simple, c'est que le mot, l'expression paix en Algérie est apparue pour les dirigeants du PCF, plus rassembleur, plus mobilisateur, plus convaincant que le simple mot indépendance de l'Algérie, parce qu'encore une fois, l'opinion partait de très loin et qu'il fallait essayer de la faire progresser pas à pas. Et paix en Algérie, c'était beaucoup plus rassembleur, effectivement, qu'indépendance, puisque indépendance, ça s'adressait aux gens qui étaient déjà convaincus ou qui étaient en passe de le devenir. Et donc, paix en Algérie, c'était le mot qui était un petit peu, qui permettait à chacun de se sentir concerné, qui permettait à la famille qui avait un fiancé ou un mari ou un oncle qui était en Algérie de se dire, bah oui, il faudrait qu'il y ait la paix pour qu'il revienne. Ça peut paraître terre à terre, mais c'est à mon avis comme ça que la politique au jour le jour se fait. Ça pouvait permettre à la... J'ai retrouvé des tracts de l'Union des femmes françaises, par exemple, de l'UFF,
Alors aujourd'hui, ça paraît un peu un discours un peu mièvre. Aujourd'hui, où il y a un féminisme flamboyant et drapeau déployé, l'UFF des années de la guerre d'Algérie est une UFF un petit peu, je vais pas être méchant, un peu mémère, enfin, excusez-moi de l'expression. Bon, ça donne cette impression. Mais en même temps, c'est efficace. En même temps, c'est efficace. C'est-à-dire que s'adresser à la ménagère et lui dire, eh bien, si aujourd'hui le kilo de carottes ou le kilo de navets coûte plus cher, c'est parce que il y a des milliards qui sont engloutis dans les budgets de la guerre, et en particulier de la guerre d'Algérie. Ce sont des arguments qui pouvaient convaincre quelqu'un qui n'était ni lecteur de l'Humanité, ni politisé, etc. Le rôle des maires, par exemple, des maires communistes, il y avait à l'époque beaucoup plus de maires communistes, évidemment. Les maires communistes, lorsqu'il y avait un soldat qui était tué en Algérie, les maires communistes avaient l'habitude, lorsque la famille était d'accord, bien sûr, de transformer l'enterrement, non pas en meeting politique, bien sûr, il fallait garder la décence, mais en information, appelons ça information politique. C'est-à-dire que le maire communiste venait saluer la mémoire de l'enfant de la ville qui était mort. J'ai retrouvé des textes des maires communistes de Gennevilliers, de Drancy, Maurice Nilès, c'est la ville où j'habite, mais le maire aujourd'hui n'est plus communiste. Et donc, des discours de ce type qui disaient, eh bien, monsieur Claude Durand est mort pour une cause qui n'était pas de l'intérêt de la France, et regardez les familles éplorées. Et si vous voulez que ce malheur cesse, eh bien, il faut qu'il y ait la paix en Algérie. Il faut reconnaître au peuple algérien le droit d'être décidé lui-même de son destin. Donc, ces choses-là peuvent paraître aujourd'hui, encore une fois, peut-être pas au niveau de ce qu'on imaginerait nécessaire aujourd'hui, mais dans le combat quotidien, ça me paraît des choses qui ont été extrêmement importantes. Bon, je ne sais plus où j'en suis de mes notes. Oui, de la même façon. Il a paru nécessaire, non pas de réhabiliter, parce que c'est pas la fonction d'un historien, mais d'affirmer. Par exemple, j'ai constaté une chose, c'est que on ne parle jamais des avocats communistes. Regardez le site du barreau d'Alger. J'ai regardé le site du barreau d'Alger sur la question de la guerre d'Algérie. Donc, c'est fait bien sûr par les avocats algériens qui citent bien sûr tous les avocats algériens. Et extrêmement courageux pour défendre les gens du FLN, il fallait être courageux et beaucoup l'ont payé de leur vie. Et ils citent les avocats qu'on pourrait appeler aujourd'hui de l'ultra-gauche, hein, je pense en particulier à toute l'équipe autour de Jacques Vergès, et qui lui aussi a été courageux, c'est hors de question de le nier. Mais pourquoi ne jamais parler du rôle des avocats communistes qui ont été d'abord les premiers et qui ont organisé véritablement avec le Secours populaire un véritable pont aérien entre France et Algérie, où il y a eu en permanence des avocats qui sont allés en Algérie, qui ont parfois d'ailleurs été eux-mêmes l'objet de menaces et qui ont sauvé des têtes. Par exemple, l'idée de Benjamin Stora de présenter, de faire en sorte que Gisèle Halimi soit au Panthéon, c'est une idée que je salue et que je partage. Mais pourquoi ne parler que de Gisèle Halimi? Pourquoi, par exemple, ne pas parler de Nicole Dreyfus? Voilà un nom qui est absolument oublié aujourd'hui. Nicole Dreyfus, que j'ai eu la chance de connaître dans les dernières années de sa vie, a sauvé de la guillotine. Parce que la guillotine, je vous rappelle qu'il y a eu 200 guillotinés pendant la guerre d'Algérie, hein, dont une quarantaine au moment où François Mitterrand était garde des Sceaux. Il faut quand même rappeler ce genre de choses. Et certains ont été sauvés. Certains ont été moins que ce que les avocats auraient voulu, mais Nicole Dreyfus est une véritable héroïne. Et d'ailleurs, j'ai fait un voyage avec elle en Algérie, et les Algériens ne s'y trompaient pas, hein, ils la saluaient. Mais, encore une fois, l'histoire officielle algérienne et une partie de l'histoire officielle française l'a effacée. J'ai encore un petit peu de temps, je ne me rends pas compte. Je continue sur la galerie ce qu'on peut appeler plaisanterie, la galerie des oubliés, les intellectuels. On parle beaucoup, et encore une fois, je ne, je ne,
je n'ai absolument aucun souci de dire que c'est vrai. On parle beaucoup de Jean-Paul Sartre. Si vous voulez, on parlera de Camus, c'est encore un autre problème. Mais en tout cas, les intellectuels anticolonialistes, je pense à Jean-Paul Sartre, bien sûr, à Simone de Beauvoir, à un certain nombre de gens qui étaient dans la mouvance de cette Marguerite Duras, enfin de tous les gens et tous les intellectuels qui ont signé le manifeste des 121, dont beaucoup d'artistes, Simone Signoret, Yves Montand, etc. etc. Bon, chapeau, il n'y a absolument rien à dire. Et j'ai feuilleté le livre d'un certain Jean-François Cirinelli, qui est un historien très très connu, qui doit avoir une chaire d'histoire au Collège de France, ou peut-être, bon, en tout cas, qui est très très connu. Cirinelli a consacré un livre aux intellectuels français face à la guerre d'Algérie. Il y a un index. Le nom d'Aragon n'est pas cité. Le nom de Picasso n'est pas cité. Picasso a fait un magnifique portrait de Djamina Bouguered, qui a été une condamnée à mort algérienne, défendue d'ailleurs par Gisèle Halimi. Aragon a écrit des poèmes magnifiques contre la guerre d'Algérie. Aragon a écrit Le Fou d'Elsa, qui est directement, pour ceux qui connaissent cette magnifique œuvre, qui est directement un hommage immense à la culture musulmane et à la culture arabe. Aragon n'est pas cité. Lettres françaises, j'ai regardé toutes les lettres françaises de 54 à 62. Il n'y a pas eu, j'exagère en disant il n'y a pas eu, mais en tout cas, au moins deux fois, une fois sur deux, il y avait une sur l'Algérie. Des articles de Pierre Dex, des articles d'Aragon, des articles d'autres intellectuels. Aragon a été le premier à publier les œuvres de Kateb Yassine, par exemple. Aragon a été le premier à publier les œuvres de Mohamed Dib, qui sont deux des plus grands écrivains algériens du XXe siècle. Ce n'est cité par personne. Et comment se fait-il? Bon. Donc, il y a, je crois, là, non pas une volonté de défendre quelque cause que ce soit, mais une volonté de rétablir l'équilibre, de dire il faut faire en sorte que, alors je ne sais pas, vous avez dit que mon livre était incontournable, j'espère que si ce n'est pas vrai aujourd'hui, ce sera peut-être vrai demain. En tout cas, ça me paraît très difficile, après ce livre qui est quand même bourré de citations et de références, elles sont toutes référencées, de ne pas de persister dans ces oublis. Alors voilà, donc peut-être doit-on conclure. Alors, est-ce qu'on doit conclure par la notion de bilan? En histoire, les historiens sont jamais très chauds pour évoquer un bilan. Ils préfèrent proposer un tableau. Alors, proposons un tableau. Je dirais que si on doit porter, si ce n'est un jugement, en tout cas une analyse sur les communistes face à la question algérienne, je dirais que il y a eu des moments de pur internationalisme, il y a eu des moments d'hésitation. Je n'ai pas parlé des pouvoirs spéciaux volontairement parce que j'espère vraiment qu'une question me sera posée là-dessus. Mais les pouvoirs spéciaux, c'est une page noire dans l'histoire du PCF. J'allais dire évidemment, je ne sais pas si c'est évident en tout cas. L'attitude des communistes au moment des massacres de Constantinople en 45 est une page noire. Donc, c'est plus une sorte de tableau impressionniste qu'il faudrait présenter pour montrer les différentes facettes. Si on, vous savez, vous connaissez le dicton, quand je me regarde, je m'intrigue, et quand je me compare, je suis plutôt fier de moi. Ben, je crois que les communistes pourraient dire à peu près la même chose. S'ils se regardent, ils ont à quelques reprises graves oublié leur internationalisme au bénéfice de d'autres combats. Mais s'ils se comparent, on se dit qu'après tout, quelle autre force politique peut présenter, pas seulement sur la guerre d'Algérie, mais sur l'ensemble de l'histoire coloniale, un nombre aussi important de luttes anticolonialistes qui ont rassemblé, en dehors même des communistes, des grands intellectuels, je pense à Romain Rolland, à Henri Barbusse, etc. Donc sur la globalité, l'histoire des communistes face à la question coloniale est une histoire qui est une des belles pages de l'histoire de ce parti. Autre chose, si on compare, par exemple,
le Parti socialiste SFIO. Alors aujourd'hui, on est SFIO et les socialistes d'aujourd'hui disent qu'ils n'ont rien à voir avec ce parti. Il y a quand même une particularité dans l'histoire du communisme, c'est que les communistes d'aujourd'hui sont redevables de tout ce qui a été fait par les 4 ou 5 générations qui les ont précédés et que les autres familles politiques n'ont jamais de compte à rendre. Le Parti socialiste a été, là je parle de toute la période de la décolonisation, donc guerre d'Indochine plus guerre d'Algérie, les socialistes ont été au pouvoir pendant une dizaine d'années. Ils étaient au pouvoir au moment du déclenchement de la guerre d'Indochine. Ils étaient au pouvoir au moment de le pire de la guerre d'Algérie, au moment de la bataille d'Alger. Lorsque Ali Boumendjel a été précipité par les parachutistes à Alger en 1957, le président du conseil s'appelait Guy Mollet et le ministre résident en Algérie s'appelait Robert Lacoste, c'était des socialistes. Lorsqu'on regarde l'histoire du gaullisme, je l'ai dit en introduction. Alors, il y a une particularité, c'est le PSU, que je n'ai pas encore cité, mais il faut citer le PSU parce qu'il a eu un rôle important, mais un rôle, je dirais, final. Le PSU a été fondé à l'automne, je crois en octobre 1960, donc un an et demi avant la fin de la guerre. Donc, encore une fois, le PSU a eu, d'ailleurs avec les communistes, la manif de Charonne, il n'y avait pas que les communistes, hein, le PSU avait appelé également, les morts ont été communistes. Il faut prendre tout cela en compte, ne pas noircir ce tableau, ne pas le rosir, mais essayer de voir cette histoire en face et se dire qu'après tout, si aujourd'hui des relations sont restées possibles entre France et Algérie, entre les peuples de France et d'Algérie, bah, c'est peut-être qu'un certain nombre de militants, parmi lesquels les communistes, ont fait face à leurs responsabilités. Ça sera mon dernier mot. Merci. Merci Alain. Nous allons passer à la partie questions et peut-être alors par celle qui était en filigrane il y a 10 minutes, celle concernant le vote des pouvoirs spéciaux, donc en mars 1956. Le gouvernement qui le chef du gouvernement au moment du déclenchement de la guerre, c'est Pierre Mendès-France, je l'ai dit. En février 1955, Pierre Mendès-France est destitué et c'est Edgar Faure qui devient président du conseil. Et donc Edgar Faure a l'idée lumineuse de dissoudre l'Assemblée nationale en décembre 1955 en espérant pouvoir renforcer sa majorité. Et donc il y a des élections général le 2 janvier 56 et donc finalement ça va tourner au désavantage de Edgar Faure qui était au Parti radical à l'époque puisqu'il va y avoir une majorité de gauche qui va arriver à l'Assemblée nationale. Majorité de gauche, ça veut dire quoi? Il y a d'une part l'addition entre Parti radical, donc Edgar Faure étant dans l'aile droite, Parti radical c'est essentiellement à l'époque Mendès-France, et Parti socialiste, dirigeant à l'époque par Guy Mollet, qui font 27% des voix, et le PCF fait 25% des voix, donc 52. Donc il y a une majorité de gauche. Et le 3 ou le 4 janvier 56 au matin, l'Humanité titre « Vive le nouveau Front populaire ». N'oubliez pas qu'on est en 56, c'est le 20e anniversaire en même temps, donc pour eux, c'est l'esprit de dire le Front populaire peut en quelque sorte ressusciter, et en même temps, mettre en application un certain nombre de lois sociales. Et il y aura des lois sociales, la troisième semaine de congés payés, par exemple, c'est le gouvernement Guy Mollet. Mais en même temps, évidemment, l'idée sous-jacente, c'est de dire faire la paix en Algérie. Et donc, les communistes s'appuient sur des déclarations un peu floues de Guy Mollet sur le thème « Oui, il faut mettre fin à une guerre imbécile et sans issue ». C'était l'expression employée par Guy Mollet à l'époque. Et donc les communistes plongent à fond dans l'idée que cette majorité de gauche peut mettre fin à la guerre d'Algérie. Et donc c'est ce qui va justifier à leurs yeux, j'expliquerai après les contradictions dans ce raisonnement, ce qui va justifier à leurs yeux cette alliance. Alors ce n'est pas une alliance de fait, il n'y a pas de pacte, il n'y a pas de programme commun par exemple, mais c'est un soutien. Un peu comme pendant le Front populaire, les communistes ne sont pas au gouvernement, mais soutiennent le gouvernement
et disent, eh bien, il faut contrebalancer la puissance de la réaction par le poids le poids des communistes. C'est un raisonnement que certains d'entre nous ont connu également au moment du programme commun, par exemple. C'était tout à fait un calque, hein, le raisonnement du programme commun, c'était un peu un calque de ça. L'idée, c'est celle-ci. L'idée qui, à la limite, pouvait peut-être se justifier, quoique ça masque un petit peu la lutte du peuple algérien, parce que c'est quand même le peuple algérien qui était apte à conquérir son indépendance. Mais bon, si la gauche avait été une vraie gauche à l'époque, peut-être cela aurait-il pu aider. Il se trouve que Guy Mollet, qui avait fait de belles déclarations, va aller très très rapidement à l'inverse de ce qu'il avait déclaré. Et donc, il va, par exemple, faire un voyage à Alger le 6 février 56, donc 5 semaines après les élections. Il est donc investi, président du Conseil à l'époque. À Alger, il va être l'objet de manifestations de ce qu'on n'appelle pas encore les pieds noirs à l'époque, mais enfin, on n'appelle pas non plus l'OAS, mais enfin, les ultras de l'Algérie française qui vont exiger en quelque sorte sa capitulation. Et il rentre, excusez-moi l'expression, un peu la queue entre les jambes. Il rentre à Paris le soir même et il se dit, bon, effectivement, ce programme qu'on avait envisagé n'est pas possible. On est donc le 6 février 56. Ensuite, ce gouvernement va demander les pouvoirs spéciaux, je l'ai dit ensuite, hein, donc un mois plus tard, ce gouvernement va demander les pouvoirs spéciaux et donc il va y avoir un vote le 12 mars 56. Dans lequel les pouvoirs spéciaux, c'était d'une part un certain nombre de réformes, donc c'est spécifique à l'Algérie, hein, un certain nombre de réformes sociales en Algérie même, dont amélioration du sort, alphabétisation, etc., donc des réformes sociales, mais également un effort de guerre, et donc un renforcement de la présence militaire française en Algérie. Les communistes vont persister dans leur raisonnement, en se disant qu'après tout, ils peuvent espérer tirer au maximum vers la gauche ce gouvernement. Mais je vous rappelle quand même que c'est donc le 12 mars 56, on est 5 semaines après la capitulation d'Alger, et donc c'est un raisonnement qui paraît même aujourd'hui vicié dans son principe. Il va y avoir des débats internes. Alors avant le vote du 12 mars, des débats internes. J'ai eu la chance d'interroger un certain nombre de gens qui étaient députés à l'époque et qui m'ont expliqué que ça avait été très, au sein du groupe parlementaire communiste, ça avait été assez chaud, qu'il y avait une minorité, mais une minorité assez déterminée, qui ne voulait pas voter les pouvoirs spéciaux, mais c'était une époque où, quand le bureau politique parlait, on appliquait. Et donc, Jacques Duclos, qui était président du groupe communiste et en même temps membre du bureau politique, arrive à l'Assemblée nationale le 12 mars au matin et réunit le groupe et leur dit vous n'avez pas le choix en réalité, et si vous votez à l'époque, vous connaissez la phraseologie communiste de l'époque, un communiste qui s'oppose à la direction de son parti, ça devient assez rapidement un renégat, voire même un exclu, etc. Donc la discipline a joué, contrairement à ce qui a été écrit souvent. Moi j'ai regardé le journal officiel, vous pouvez le regarder sur Internet, il est consultable. Hein. Tous les communistes ont voté. Tous les députés communistes ont voté. Et donc, de fait, ils ont été, bien sûr, à leur corps défendant. Bien sûr, c'est pas ce qu'ils désiraient. On peut pas les accuser d'avoir voulu la guerre. Mais, de fait, ils ont contribué à une aggravation de la guerre. Et ce vote des pouvoirs spéciaux a provoqué au sein du parti, donc après, mais pas seulement dans les cellules, on dit toujours les intellos, c'est les empêcheurs de réfléchir en rond, et ils ont toujours à critiquer en permanence. Non, dans le cas précis, j'ai beaucoup d'exemples de cellules ouvrières où le vote des pouvoirs spéciaux n'est pas passé. Il y a des gens qui ont quitté le parti, en particulier les Algériens, et ça c'était un véritable drame. Beaucoup d'Algériens qui étaient des communistes, qui étaient en même temps des gens du FLN, bien sûr, ils étaient tous au FLN, mais qui étaient des militants communistes en même temps, ont quitté le PCF à ce moment-là. Des intellectuels ont roué dans les brancards. Tout ça, je vous rappelle, c'est avant le 20e congrès, avant le rapport attribué au camarade Khrouchtchev, avant
l'invasion de la Hongrie par les soviétiques. Donc l'année 56 est une année terrible pour les militants communistes, et ceux qui sont restés fidèles le sont restés vraiment avec vraiment la fidélité rivée au corps, on peut dire. Hein. En tout cas, ça a provoqué une grave crise à l'intérieur du PCF, ça a provoqué une crise à l'intérieur de la CGT, et donc il y a eu véritablement une fêlure qui est apparue, et ça a été un poids qu'ensuite les communistes ont traîné pendant tout le reste de la guerre, parce qu'évidemment, malgré l'intervention militante dont j'ai parlé à plusieurs reprises, malgré les articles de l'Humanité, malgré la dénonciation de la guerre, eh bien, il y a toujours cette chose qui est restée dans la mémoire, et c'est resté encore aujourd'hui chez beaucoup d'Algériens qui connaissent trop peu l'histoire. Au fait, je vous signale que mon livre devrait, alors il y a eu la crise du Covid, mais mon livre devrait être publié en Algérie, hein, donc ça c'est une bonne nouvelle, par un éditeur algérien qui reprendra le texte intégralement. Donc, bon, si ça peut permettre au débat avec les Algériens, tant mieux. En tout cas, en Algérie, aujourd'hui encore, ou dans l'immigration algérienne, ceux qui s'intéressent à l'histoire de leur pays, et il y en a beaucoup, aujourd'hui, ça reste... Il y a ceux qui ont un parti pris d'accusation systématique, et donc avec cela, la discussion est parfois chaude. Et puis il y a ceux qui effectivement s'interrogent normalement, parce que après tout, les communistes auraient dû avoir une histoire sans tâche. Et lorsqu'il y a une tâche, évidemment, ça les gêne. Donner quelques éléments, expliciter un petit peu justement le positionnement du Parti communiste français, tu l'as évoqué par rapport aux pouvoirs spéciaux en 56, mais par rapport au massacre du 8 mai 45 à Sétif dans le Constantinois, que révèle-t-il et comment les errements du Parti communiste français ont-ils été corrigés après justement le 8 mai 45 hein? Donc, comme vous le savez, le 8 mai 45 a marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale, la capitulation du nazisme, et donc il y a eu évidemment des manifestations de joie un peu partout. Il y en avait déjà eu dès le 1er mai 45 à Alger, par exemple, où il y avait déjà eu des heurts et même deux morts à Alger le 1er mai 45. Et le 8 mai 45, c'est essentiellement autour de Sétif qu'il y a eu le début d'un drame. Donc je rappelle, avant d'en arriver à la position des communistes, je rappelle rapidement le drame lui-même. Hein. Donc les Algériens ont voulu fêter la victoire contre le nazisme avec les drapeaux des alliés, mais également ils ont voulu arborer le drapeau algérien, qui était à l'époque le drapeau du PPA, un parti du peuple algérien, qui est le même que le drapeau de l'Algérie aujourd'hui. Et donc évidemment, le drapeau était totalement interdit. Et lorsqu'il y a eu dans la rue principale de Sétif, le cortège algérien qui a commencé à avancer, il y avait un scout, en plus c'était un très jeune, qui était adolescent, 17-18 ans, un scout algérien qui portait le drapeau fièrement, et un flic français s'est approché de lui, il lui a demandé de le retirer, et donc évidemment il l'a refusé, et il a été tué sur le coup. Et donc il y a eu ensuite une révolte, c'était un jour de marché à Sétif, et il y a beaucoup de... le bruit... c'est répandu comme une traînée de poudre, et évidemment, il y a beaucoup d'Algériens qui, voyant ça, se sont précipités sur des Européens, ce qui prouve d'ailleurs que la barrière coloniale la haine coloniale était terrible, parce que un tel incident a immédiatement amené des affrontements terribles. Il y a une centaine d'Européens qui ont été tués, et évidemment, la répression massive a ensuite commencé, répression qui a eu deux formes, d'une part l'armée, avec l'aviation, les bombardements, je parlerai d'ailleurs de Charles Trian, si vous voulez, et puis deuxièmement, les milices. Il y a beaucoup d'Européens, des civils, hein, qui ont été armés, qui étaient déjà armés d'ailleurs, et qui ont tiré dans la foule,
Le chiffre global, ça a duré pendant plusieurs semaines, on dit le 8 mai, mais ça a duré jusqu'à l'été 45 à peu près, fin du printemps, début de l'été 45, les massacres de masse. Les historiens ne sont pas d'accord sur les chiffres, mais en tout cas, il y a eu plusieurs milliers de morts, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas des morts au combat, je veux dire, il y a une différence entre les morts au combat où on est face à un adversaire. Là, c'est vraiment des paysans qui ont été tués froidement par les miliciens ou tués dans les bombardements, ou tués par des rafales de mitraillettes par les soldats. L'analyse des communistes, et d'ailleurs de ce point de vue, les communistes algériens et français ont partagé la même analyse, et quand je disais tout à l'heure que les communistes algériens ont commencé à se séparer dans leurs analyses, en tout cas des communistes français, c'est à partir de 46-47, ce n'est pas une coïncidence, hein, c'est qu'ils avaient partagé les mêmes errements. Donc, c'est pour les communistes à l'époque, il y avait une sorte de ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, une sorte d'idée fixe, c'était la défaite définitive du nazisme et l'élimination de tout ce qui ressemblait à des germes encore du nazisme qui pouvaient subsister. Et donc leur analyse a été de dire que puisque il y avait eu une révolte contre, après tout, un pouvoir qui était issu de la résistance, puisque c'était comme ça que c'était présenté. N'oubliez pas que tous les dirigeants on est en 45, hein, le gouvernement provisoire est en place depuis un an déjà, hein, donc le gouvernement provisoire avec que des résistants. Donc, puisque c'est un mouvement qui s'est élevé contre un gouvernement issu de la résistance, c'est que c'est forcément des gens qui sont manipulés par les nazis ou par les fascistes. Et donc, il y a eu dans l'humanité, je cite tous les textes dans le livre, en histoire, on choisit pas ces textes, on les cite tous. Il y a eu des phrases absolument terribles qui ont été écrites par l'humanité sur le fait que finalement les nationalistes avaient été des alliés des fascistes et qu'ils avaient été des provocateurs, les agents provocateurs, etc. Ça a duré pendant à peu près 6 mois. Alors c'est 6 mois énorme, c'est énorme 6 mois parce que les Algériens n'ont pas oublié, hein, encore aujourd'hui. À partir de, bon, évidemment, il y a eu très probablement une autocritique interne. Alors là, les archives ne disent rien là-dessus. J'ai rien trouvé sur l'autocritique interne. Mais en tout cas, le discours public a commencé à changer à partir de fin 45. Les accusations n'ont plus existé. Et au contraire, a commencé à ce moment-là une campagne pour l'amnistie. Et en particulier, l'équivalent du Secours populaire en Algérie, qui s'appelait le Secours populaire algérien d'ailleurs, a commencé une campagne, bon, dirigée par des communistes lui aussi, a commencé une campagne pour l'amnistie, et il y a eu véritablement des comités d'amnistie qui unissaient à ce moment-là de nouveau nationalistes et communistes. Mais bon, la tâche indélébile est restée, donc incontestablement, c'est un des 3 ou 4 moments terribles de l'histoire du communisme face à la question algérienne. J'ajoute quand même à propos de Charles Tillon, parce que bon, vous connaissez sans doute l'accusation. Charles Tillon à l'époque était ministre de l'air. Il y avait des ministres communistes, hein, donc il y avait Maurice Thorez, Charles Tillon, Georges Marane, je crois, Ambroise Croizat, bien sûr, qui était au gouvernement. Et Charles Tillon était ministre de l'air. Et Charles Tillon a été accusé d'avoir ordonné les bombardements sur les populations algériennes, ce qui est complètement faux. Autant je suis très sévère sur le discours public des communistes et sur leurs errements terribles, autant je tiens à saluer la mémoire de Charles Tillon parce qu'il n'y était pour rien. Charles Tillon n'a pas été prévenu des choses. J'ai retrouvé dans les archives cette fois-ci du parti un discours tenu le 19 mai 45 au siège du comité central qui à l'époque était au 120 rue Lafayette. Non, c'était déjà au carrefour du Châteaudun, je crois, en 45. En tout cas, bon, et c'est André Marty qui a fait un discours qui a dit que c'est les services du PCF qui ont prévenu le ministre de l'Air que des avions civils avaient été détournés pour participer à des opérations militaires. Charles Tillon n'a pas été prévenu et Charles Tillon donc n'a pas été directement concerné par cette histoire. J'ajoute que j'ai eu la chance de le rencontrer vers la fin de sa vie et qu'il gardait une amertume de cette accusation parce que c'était pour lui qui avait été un grand résistant et qui en plus en avait pris plein la figure dans ses relations avec le PCF.
il était très très blessé par cette histoire, et je tiens pas par fidélité, mais par vraiment analyse des textes, à dire que Châtillon n'était pour rien dans les bombardements. Mais ça, encore une fois, ça retire rien au fait que et des communistes algériens ont à ces types ont été exclus du PCF après le et de la CGT après les massacres, puisqu'un certain nombre d'entre eux avaient tiré sur les Algériens. Évidemment, ceux-là ont été virés illico presto, mais enfin c'était quand même un drame supplémentaire. Une question dans la salle. Louis. Merci. Déjà, merci pour la conférence, Alain. Moi, j'avais une question, c'était... Je sais que tu n'aimes pas faire le bilan, mais moi, j'ai quand même plutôt une question sur le bilan concret stratégique des communistes et français et algériens en 62, quand la guerre s'arrête. Parce que dans le livre, tu conclus en posant la question, les communistes ont-ils été bons par rapport à eux-mêmes ? Où on essaie de faire la part des choses entre effectivement ces accusations de complicité avec la guerre et en même temps ces accusations de, enfin ces louanges parfois un peu exagérées qu'on comporte sur les communistes. Mais au final, en 62, on a un peu l'impression que côté français, le PCF a reculé en influence, et côté algérien, le PCA était complètement décapité par la guerre et au final s'est retrouvé interdit dès le sortir de la guerre par la République algérienne. Donc moi, ma question, c'est, notamment en Algérie, que sont devenus les communistes algériens ? Et est-ce que finalement, cette guerre d'Algérie, c'est pas un échec monumental pour et les communistes français et les communistes algériens ? Alors, l'expression que tu as citée, on la doit à Aragon, hein, les communistes sont bons par rapport aux autres, il faut qu'ils soient bons par rapport à eux-mêmes. Par rapport à eux-mêmes, ça veut dire quoi ? Par rapport à l'exigence d'internationalisme, l'exigence d'anticolonialisme. Et donc, la démonstration d'aujourd'hui prouve que ça pourrait toujours été le cas. C'est une évidence. Je vous rappelle que parmi les 21 conditions d'adhésion à l'international communiste en 1920, adoptée par le Congrès de Tours, il y avait la 8e condition qui était de dire que les communistes doivent agir en permanence et concrètement contre les guerres coloniales et organiser les travailleurs coloniaux. Donc ils l'ont fait à un certain moment, ils l'ont pas fait à d'autres. Donc par rapport à ça, donc on peut dire que, alors deuxièmement, toujours pour m'en tenir au PCF, la cause de son affaiblissement n'a pas été seulement due à la guerre d'Algérie. C'était dû au fait, par exemple, que il y a un début de divorce important en 56 en particulier avec le monde intellectuel. Je crois qu'il faut bien qu'on s'imagine, peut-être les moins jeunes d'entre nous s'en rappellent un tout petit peu ou ont lu des choses là-dessus, le rayonnement communiste chez les intellectuels avant 56 était phénoménal. Je veux dire, il y a un article d'Esprit, de la revue Esprit, d'Emmanuel Mounier en 45, qui dit en France, il y a trois catégories d'intellectuels. Il y a ceux qui sont communistes, ceux qui vont le devenir, et ceux qui éprouvent le besoin de se justifier de ne pas l'être. Donc, pour montrer, on est en 45, hein, le prestige, les gens bien au-delà des rangs des communistes, les gens adoraient Staline. Enfin, je veux dire, pourquoi adoraient l'armée rouge, etc., etc. Donc, il y avait ce rayonnement qui s'est renforcé pendant la guerre d'Indochine. La guerre d'Indochine, le PCF a véritablement eu un rôle hégémonique au sein de la population française, l'affaire Henri Martin, mais également c'est un moment où Jean-Paul Sartre, par exemple, reconnaît l'hégémonie communiste dans les luttes anticolonialistes, etc. Bon, et donc 56 va être un moment de rupture et donc d'éloignement de même des gens très fidèles comme Vercors quitte le compagnonnage de route avec les communistes à ce moment-là parce qu'il peut plus quoi. Simone de Beauvoir, bon, qui a jamais été communiste, mais elle dit dans ses mémoires. On ne pouvait pas être contre eux parce que tout le monde était contre eux, donc par solidarité, il fallait être avec les communistes qui représentaient la classe ouvrière. Mais on ne peut pas être avec eux non plus parce que c'est impossible à vivre, quoi. Donc voilà, et tout ça s'est ajouté.
Ajoutez à cela le phénomène gauliste, le raz-de-marée gaulliste en 58. De Gaulle réussit à imposer non seulement sa constitution, mais également une partie de l'électorat communiste, sans doute par de bonne foi, pensant que De Gaulle pouvait être un président social, etc. Une partie des électeurs communistes, pas seulement, mais des électeurs communistes, passe au gaullisme à ce moment-là. Moi, je me souviens, je raconte souvent cette histoire. Bon, moi, j'étais dans une famille qui n'était pas politisée, mais mes parents m'ont emmené, donc j'étais vraiment gamin, sur les Champs-Élysées en mai 58, criant pour mon père klaxonnait De Gaulle au pouvoir, hein, tot 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 tot, De Gaulle au pouvoir. Donc, et dans les Champs-Élysées étaient pleins. Hein, c'était l'exaltation. De Gaulle était vraiment l'homme providentiel. Donc tout ça a compté. Et les communistes ont payé les pots cassés. Donc, et puis bon, l'intervention en Hongrie, où les communistes ont soutenu l'intervention soviétique. Bon, aujourd'hui, on peut s'interroger, savoir si l'intervention était justifiée ou pas, savoir quelle était la portée, s'il y avait véritablement une contre-révolution, tout ça. Bon, moi, c'est pas mon domaine, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que toutes les forces politiques autres que les communistes sont descendues dans la rue, et bien au-delà des anticommunistes. Hein, le premier étage du siège du PCF a été pris, enfin le rez-de-chaussée a été pris d'assaut, et le premier étage, ils sont arrivés presque au milieu du premier étage. Donc c'était vraiment très très dur. Donc ce climat a fait que, bon, évidemment, l'isolement était important, et donc il n'a pas été la pente n'a pas été remontée si facilement. Ajouter à cela que les communistes, bien qu'affaiblis avec le scrutin imposé par De Gaulle, ont eu 10 députés ils avaient 156 députés, je crois, dans l'Assemblée élue en 56, et ils en avaient 10 dans l'Assemblée élue en 58. Hein, donc c'était un scrutin de liste, enfin il y avait des bagouilles infernales, mais en tout cas, bon, tout ça fait que et puis c'est sûr que l'un des défauts, je le dis avec amitié, mais en même temps fermeté, l'un des défauts des communistes, c'est quand même de penser qu'ils avaient toujours raison contre tout. C'est que moins qu'on peut dire, c'est qu'ils n'avaient pas la culture du dialogue avec d'autres gens de gauche. Regardez par exemple ce que l'Humanité écrivait sur le France Observateur de l'époque, Claude Bourdet, Gilles Martinet, qui étaient quand même des gens très nettement à gauche, qui n'étaient absolument pas soupçonnables d'être des alliés de la SFIO, et ils étaient égratignés. Et puis la négation des réalités soviétiques. Enfin, tout ça a fait que l'isolement était une réalité. Alors, le Parti communiste algérien, c'est un petit peu différent, me semble-t-il. Il avait un projet de société qui était absolument magnifique. Je crois que les communistes algériens imaginaient l'Algérie future telle qu'était leur parti, c'est-à-dire une alliance fraternelle entre les musulmans, les Européens et les Juifs. Et donc, à mon avis, ils avaient ce projet qui était aujourd'hui, qui paraît être une belle utopie, mais qui était quand même une utopie. Et donc, qui s'est heurté à plusieurs choses. D'abord au fait que l'immense majorité des Européens d'Algérie a adhéré aux thèses de l'Algérie française. Et plus ça a été, plus ils sentaient que le pouvoir leur échappait, plus ils se radicalisaient, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire du côté de l'OAS. Hein, l'OAS a été un mouvement de masse dans la population algérienne, hein, européenne d'Algérie. L'OAS était un mouvement de masse. Jour, lorsqu'il était en clandestinité, se promenait dans les rues d'Oran, sans déguisement, sans rien. Il était protégé par la population. Il faut quand même qu'on voit tout ça. Et parmi les gens qui ont été Algérie française jusqu'au bout, et certains même OAS, eh ben, il y avait des communistes, des Européens communistes. Je ne sais pas si vous vous souvenez le film La question de Laurent Henneman, qui reprend le livre d'Henri Alleg. Pendant un moment, l'acteur qui joue Henri Alleg va voir un de ses camarades de cellule, qui est joué par Jean Benguigui. Vous voyez qui c'est, hein, l'acteur. Bon. Et donc, Henri Alleg va vers lui, il lui dit « Viens m'aider à distribuer des tracts ». Ça, c'est la clandestinité. Hein. Le Parti communiste algérien, j'ai oublié de le dire, a été clandestin dès septembre 55. Hein. Et l'acteur qui joue Henri Alleg va voir Jean Benguigui, « Viens m'aider à distribuer des tracts ». Et l'autre lui répond « T'es gentil, Henri, mais moi, je suis pas un héros. Toi, t'es un héros.
mais ça sera sans moi à partir de maintenant. Donc il se met sur la touche, il est pas Algérie française, mais il n'est pas non plus pour l'Algérie indépendante. Et pour un Européen d'Algérie, être pour l'Algérie indépendante, c'était un cheminement qui était pas facile, quoi. Je veux dire, bon, Maurice Audin l'a fait sans problème, Henri Allègre l'a fait sans problème, mais bon, le petit postier ou le petit cheminot ou le petit traminot qui était à la CGT, qui parfois était au Parti communiste algérien, qui se disait mais si les Arabes occupent tous les postes, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc tout ça a fait que le projet communiste était de fait irréalisable, et ajouté à cela qu'évidemment les nationalistes étaient, beaucoup de nationalistes étaient férocement anticommunistes. Hein. Je cite dans le livre, et pendant très longtemps ça a été tu, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, des communistes algériens, donc disons musulmans et européens, qui sont montés au maquis, ont été égorgés par les nationalistes. Et je cite, j'ai la liste dans mon bouquin, il y en a, parmi ceux qui sont connus, il y en a au moins une douzaine. Parmi lesquels un médecin, je crois, qui s'appelait Mattei, qui est monté au maquis, et qui est monté pour soigner les blessés, et qui, dès qu'il est arrivé, a été égorgé par des gens du FLN. Donc, lorsqu'en 62, il y a eu l'indépendance, l'une des premières choses qu'a faite Ben Bella, ça a été d'interdire de nouveau le Parti communiste algérien. Hein. Il a été interdit trois fois, il a un record dans le monde. Il a été interdit par la Troisième République au moment du pacte germano-soviétique. Il a été interdit par la Quatrième République au moment de la guerre d'Algérie. Et il a été interdit par le nouveau gouvernement algérien dès 62. Hein. Il a été toléré jusqu'à juillet 62, je crois. Juillet ou août 62. Et ensuite, il a été interdit. Alors, évidemment, c'est une interdiction amicale, oui, mais il vaut mieux qu'on soit tous ensemble dans un même parti. En fait, Ben Bella voulait étouffer les communistes. Il a utilisé Alger Républicain pour essayer d'être un peu son relais. Et puis, quand Boumediene est arrivé en juin 65, c'était fini. Les communistes ont été de nouveau pourchassés, emprisonnés, torturés. Beaucoup, beaucoup de communistes ont été torturés par leurs anciens camarades du FLN, qui étaient devenus des tortionnaires, qui étaient devenus des policiers, des gens de la sûreté algérienne. Donc, voilà, l'échec, il est là. Le projet était beau, mais il était probablement en situation coloniale. Voué à l'échec. Entre des nationalistes et des internationalistes, c'était pas évident non plus. Alors, j'ai ici une question de Jean-Yves Martin. Quel est l'avis d'Alain Ruscio sur le récent rapport Stora? Alors, le rapport Stora a été, je dirais, critiqué de gauche et de droite. Moi, je n'ai pas un tempérament de centriste, mais moi, j'ai tendance à dire qu'il a eu beaucoup de mérite. D'abord, l'individu Stora. Benjamin Stora est un garçon qui est critiqué pour un certain nombre de ses travaux, qui parfois peut-être s'est livré à certaines facilités. Mais je le dis avec amitié pour lui. Mais en même temps, son rapport a eu le mérite d'ouvrir des portes, d'ouvrir des perspectives. Il a expliqué qu'il fallait qu'il y ait une... Le mot réconciliation n'apparaît pas, hein, absolument pas, mais qu'il y ait des analyses convergentes et qu'on crée les conditions pour une analyse convergente des sociétés algériennes et françaises, et en particulier des historiens algériens et français. Et donc, il a fait un certain nombre de propositions, parmi lesquelles, justement, la reconnaissance de l'assassinat d'Ali Boumedjel, donc ce qui vient d'être fait par Macron, parmi lesquelles l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon. Un certain nombre de choses ont pu lui être reprochées, peut-être un certain nombre de limites sur le caractère massif des crimes de la colonisation. Je rappelle que le rapport Stora, c'est pas sur la guerre d'Algérie, c'est sur l'ensemble de l'histoire de l'Algérie coloniale. Et donc, un certain nombre de choses, de gens ont considéré qu'il avait posé un certain nombre de jalons insuffisants. Mais moi, je persiste à dire que
c'est grâce à cette porte entrouverte qu'il a pu y avoir de premiers gestes. En même temps, ne pas idéaliser un rapport, quel qu'il soit, un document officiel, mais se dire que il faut s'appuyer sur les acquis pour aller plus loin et pour continuer le travail. En même temps, je dois dire, malgré encore une fois le respect que j'ai pour lui, qu'on n'a pas attendu, non plus son rapport pour faire des travaux d'importance sur des fonds d'archives, ceux qui étaient ouverts à l'époque. Et je pense particulièrement à la thèse de Raphaël Branche sur la pratique de la torture pendant la guerre d'Algérie. Il fallait quand même être courageuse pour faire une thèse sur ce sujet. Et elle a démontré d'une façon, c'est une thèse qui a presque 15 ans maintenant, hein, elle a démontré d'une façon absolument évidente aujourd'hui que la torture a été massive et inspirée par les gouvernants. Donc c'est quand même des acquis qui étaient déjà acquis par la militance, hein, par la dénonciation de la guerre. Mais là, elle l'a fait sur un travail sur archives et sur multiplication des sources. Je pense à la thèse de Sylvie Thénault sur la justice en Algérie, par exemple. Voilà des exemples où on ne part pas de rien. C'est ce que je vais vous dire. Et j'ajoute la génération qui nous a précédés, Charles-André Julien, Charles-Robert Ageron, Mohamed Harbi. Enfin, voilà des gens qui ont Gilbert Meynier. Voilà des gens qui n'ont pas attendu un rapport officiel pour travailler. Pour s'attaquer à la réalité et la décrire. Il y avait eu aussi Ossarès qui, sur son lit de mort ou quasi, avait aussi décrit sa réalité, la réalité, avait avoué. Est-ce que, dans la salle, Clément ? Une dernière question, l'ouverture des archives. Est-ce que vous attendez à faire un nouveau livre, du coup, avec de nouvelles informations par rapport à ça? Alors, en fait, l'ouverture des... Bon, je vais dire quelque chose sur la dernière déclaration de Macron. Moi, je pense pas... Alors, on peut toujours trouver des choses nouvelles, hein. Peut-être qu'un jour, je ferai une nouvelle édition, peut-être complétée. Mais bon, sur la famille communiste, sur la mouvance communiste, je pense pas que les archives publiques apporteront beaucoup beaucoup de choses, si ce n'est peut-être sur le Parti communiste algérien. Il est possible que les services de sûreté en Algérie même aient fait des rapports qui vont compléter. Mais encore une fois, moi, ce que j'ai déjà consulté dans les archives propres du PCF, qui incluaient d'ailleurs des dossiers complets du PCA. Je pense que ces archives-là, en tout cas, ont déjà été décortiquées. Maintenant, il peut y avoir effectivement des rapports de police. Bon, j'ai travaillé un peu sur les archives de la police avant qu'on me fasse la porte au nez. C'était assez succulent, d'ailleurs. Mais bon, dans les rapports de police, j'ai trouvé des choses sur, par exemple, des distributions de tracts des militants communistes qui étaient arrêtés, qui distribuaient des tracts. Et bon, ce qui vient d'ailleurs compléter ce que je pensais sur l'activité quotidienne des militants communistes. Bon, maintenant, la déclaration de Macron, il y a une avancée. Alors, je rappelle les choses. Donc, la loi sur les archives permet de consulter les archives après 50 ans après la fin des événements. Donc, en l'occurrence, ça pourrait être 1971. Et donc, la guerre d'Algérie est très largement impliquée. Il se trouve qu'il y a eu un décret, alors désolé, je n'ai pas préparé, je n'ai pas la date et le numéro de décret en tête. En tout cas, il y a eu un décret du service historique de la défense qui a exclu de la consultation par les chercheurs un certain nombre de dossiers qui étaient classés secret défense. Alors, on peut imaginer que les gens qui mettent les tampons au secret défense sont en même temps, sont jugés partis, c'est-à-dire c'est des gens de l'armée qui vont estimer que telle chose risque de nuire à la belle réputation de tel ou tel officier, et donc ils vont le mettre secret défense. La seule avancée dans la déclaration tonitruante d'Emmanuel Macron d'avant-hier, c'est de dire que les dossiers pourront être consultés dans leur totalité, c'est-à-dire qu'au lieu, lorsqu'il y a un document
qui est secret défense à l'intérieur d'un dossier, le dossier pourrait être consultable. Et donc c'est uniquement un pas par rapport à l'intérieur de tel ou tel dossier, il y a telle ou telle chemise qui était secret défense, qui ne sera pas communicable, mais le reste du dossier sera communicable. Donc c'est un petit pas à la Macron, je dirais, qui peut permettre effectivement d'ouvrir certaines archives, mais qui ne peut pas permettre à la nouvelle génération, parce que faut surtout penser à la nouvelle génération de chercheurs, ceux qui ont aujourd'hui 25, 30, 35 ans et qui veulent soutenir une thèse ou préparer une thèse ou qui veulent aller plus loin dans la recherche historique. Pour cette génération-là, c'est une petite avancée, mais ce n'est pas encore l'ouverture franche et massive des archives. Merci. Pascal. Oui, tu as évoqué pendant ta conférence le rôle d'Albert Camus à Alger. Voilà, tout simplement, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? J'ai une certaine distance, non pas avec Albert Camus, mais je dirais avec les Camusiens. Par exemple, bon, ça va sans doute vous faire sourire, mais j'ai été absolument effrayé par la lecture du livre de Michel Onfray sur Camus, qui est une sorte d'histoire géographique, comme je ne pensais pas qu'il était encore possible d'écrire aujourd'hui. L'idée, c'est de dire que Camus a été une grande conscience qui a été incomprise par les deux camps. Je dirais que c'est... Il faut vraiment faire de l'histoire année par année pour bien montrer les évolutions de Camus et les limites de Camus. Alors, la première chose que je veux dire, c'est que Camus a été très courageux. Le premier Camus, celui d'avant 1939, qui était journaliste, il a été un temps, vous le savez sans doute, membre du Parti communiste algérien. Il a été à peu près un an ou deux entre 35 et 36, je crois, membre du PCA. Ensuite, il a travaillé à Alger Républicain, qui n'était pas un journal communiste à l'époque, mais qui était un journal progressiste. Et donc, il a fait une série de reportages en Kabylie, qu'il a titré « Misère de la Kabylie », qui était une dénonciation très, très violente de la misère. Mais c'était une dénonciation sociologique, en quelque sorte. Ça n'avait rien à voir avec la défense des droits à l'indépendance, par exemple, du peuple algérien. Ce n'était pas sur ce registre. Et donc ensuite, il a été dans la résistance. Après, il est parti en métropole. Il a connu la Seconde Guerre mondiale en métropole. Il est retourné en Algérie en 45. Il a été un des gens qui ont témoigné sur cet IF 45, mais dans des termes qui étaient loin d'être anticolonialistes, mais qui n'étaient pas non plus de dénonciation des Algériens. Donc, il était un petit peu à mi-chemin. Donc l'idée, le mot-clé de la pensée de Camus, c'est le mot justice. Je dis bien justice et non pas indépendance. On doit aux Algériens le respect. Donc, il était incontestablement antiraciste, ça c'est absolument évident. On doit aux Algériens le respect, on leur doit une amélioration de leurs conditions de vie et on leur doit surtout la justice sociale, politique. Par exemple, le fait que les Algériens n'avaient le droit de vote que dans la proportion de 1 pour 10. Je vous rappelle que les Algériens qui votaient avaient le droit à autant de députés que les Européens qui votaient. Donc, il y avait d'un côté 9 millions qui élisaient des députés, l'autre côté 1 million qui élisaient autant de députés. Donc, Camus était contre ce principe et Camus était donc pour un certain rétablissement de la justice. Le problème de Camus, c'est que lorsque la tension s'est exacerbée, et encore plus lorsque la guerre a commencé, il a été pris en quelque sorte pris en otage en quelque sorte entre deux de ses conceptions, c'est-à-dire cette exigence de justice et cette crainte que l'indépendance de l'Algérie qu'il a combattu, et des formules très dures contre l'indépendance de l'Algérie, qu'une indépendance de l'Algérie future débouche sur des malheurs pour le petit peuple européen d'Algérie auquel il appartenait.
Camus n'était pas du tout un homme riche. Hein. Il était dans une famille, il était d'abord orphelin de père. Et donc, il était né dans le quartier de Bellecour, qui était un quartier pauvre d'Européens. Donc, mais pour lui, la crainte principale qu'il avait, c'était que ce petit peuple algérien soit évincé de l'Algérie et qu'il ne retrouve plus sa place. Et d'où sa formule célèbre, où justement le mot justice réapparaît, mais cette fois-ci de façon négative. Vous connaissez son mot célèbre. Lorsqu'on lui a attribué le prix Nobel de littérature en 1957, Camus, on lui a posé la question, c'est un étudiant algérien qui, lors d'une conférence de presse, lui a posé la question, que pensez-vous de la guerre d'Algérie? Et il a répondu, j'aime la justice, mais j'aime encore plus ma mère que la justice. Donc ma mère, ça pouvait être considéré comme sa véritable mère qui vivait toujours à Alger, qui vivait seule à Alger, donc il pensait qu'elle était évidemment, elle pouvait être en danger, mais c'était également la terre d'Algérie. Donc pour lui, la terre d'Algérie pouvait être sa mère. Donc il aurait pu accepter un partage de l'Algérie avec les Algériens musulmans, disons, dans une Algérie rénovée, réformée, mais pas indépendante. Le mot d'indépendance le révulsait parce qu'il considérait que le nationalisme était une idéologie réactionnaire et qu'en plus il avait une grande peur du radicalisme musulman.